Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un haul mode. Ce sont 5 pièces qui proviennent du magasin Look Fashion. Vous savez, c'est ma boutique favorite depuis un certain temps. Je vous laisserai les coordonnées du magasin en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Je ferai l'intermédiaire avec le magasin pour connaître les disponibilités des articles, taille, coloris, etc. Et aussi parce que Jean du magasin, la responsable, a une boutique indépendante, donc elle doit gérer seule son magasin et ne peut pas forcément répondre au téléphone à chaque fois. Donc c'est pour ça aussi que je fais l'intermédiaire. Je vais vous concocter deux tenues avec les 5 articles que j'ai trouvé là-bas. Donc c'est parti. Je vais commencer par le t-shirt que je porte, qui est en coton. C'est une marque italienne, donc il est blanc, manche longue, avec une sérigraphie tout en sequins argenté et des sequins blancs. Donc il est super original, j'ai complètement craqué dessus. Il se porte en fait presque mis les fesses. Il a une base arrondie, manche longue que moi je retrousse avec une encolure ronde. Avec l'inscription You are the best. Donc en fait, l'entourage est en gris argenté et l'intérieur, ce sont essentiellement des sequins qui sont argent, gris argent et blanc nacré que j'ai pris en taille S. Ensuite, un pantalon camel qui se présente comme ça avec des boutons pour le fermer devant. J'aime assez. Deux poches latérales. Vous avez des coutures qui partent en dessous des poches, à partir du côté. C'est un pantalon qui se porte slim, sans être moulant. Et la particularité, c'est que c'est un pantalon bimatière. C'est-à-dire que vous avez un genre de toile coton. Et au dos, c'est plutôt une toile comme les sweats assez légers. Et le derrière se présente comme ceci, avec deux poches. Voilà, moi je le porte retroussé. C'est un pantalon que j'ai pris en taille S et il est en coton. J'ai un autre pantalon avec le même principe des boutons alignés comme ça. C'est un pantalon style army gris que j'ai présenté plusieurs fois, que j'adore, que je retrouve sur le devant du pantalon. Donc le pantalon était à 32€ et il existe aussi en noir. Donc c'est un camel. Ensuite, j'ai un t-shirt manche longue noir en coton que j'ai pris en taille SM. Il a une encolure arrondie, il descend en dessous des fesses et vous avez plein de petits macarons fantasy qui sont collés dessus. C'est un genre de feutrine avec des bulles de conversation, des lettres. Voilà, donc le dos est uni avec une fermeture éclair. J'ai pris la taille SM et il existait également en gris, mais je le trouvais beaucoup plus beau en noir. Ensuite, j'ai flashé sur un bomber qui est kaki. Alors, je sais pas comment il ressort au retour caméra, mais en tout cas, il est kaki, il est vert kaki et non noir. Donc il est en 100% polyester, il est super mignon je trouve, avec donc un zip pour le fermer, col arrondi, vous avez la base ainsi que les manches qui est noire et élastiquée, deux poches latérales, à l'intérieur est-ce qu'il y a, donc pas de poche à l'intérieur, je n'ai toujours pas enlevé l'étiquette, vous avez également une petite fermeture éclair sur le bras gauche et j'ai pris en taille S. Et pour info, tant que j'y suis, le prix est de 29,90€. Le pantalon camel 32 et le t-shirt 22. Elle a d'autres bombers dans sa boutique. Il y avait un camel aussi avec bas des manches et la base noire. Il était super beau. C'était un genre de suédine. Mais celui-ci faisait plus actuel. Beaucoup plus bomber, je trouvais. Et puis il y en avait un autre dans un linage qui était gris.
très, très sport, très collégien, on va dire. Voilà pour le bomber kaki. Ensuite, dernier article, et là, il faut que je vous en parle, parce que lorsque j'ai vu son concept, je me suis dit, il est génial. Voilà, je me suis dit, c'est génial, quoi. Je voulais absolument vous en parler, parce que c'est la première fois que j'entends ça, dans ma région, n'est-ce pas, parce que je suis en province, je ne suis pas sur Paris. Vous allez me dire, lorsque vous allez le voir, c'est basique, quoi. Bah, il paraît basique, mais finalement, non. Il s'agit de lui. C'est un jean qui est bleu, je dirais pas brut, c'est un entre-deux, coupe droite. Donc le devant, c'est un, voilà, il est basique avec deux poches, une toute petite là. Vous savez à quoi servait cette petite poche? Parce que ça fait quand même des années et des années qu'il fabrique des jeans avec cette petite poche là. Cette poche a une utilité. Il y a des années et des années de ça, cette poche servait en fait à ranger la montre Gousset. Vous savez, la petite montre de grand-père. Cette poche servait à ça. Elle a continué à avoir une autre utilité, seulement il n'y avait plus la montre. Ça a été le Zippo. Et aujourd'hui, ça nous permet de mettre, je ne sais pas, une clé USB, enfin n'importe quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Et le dos est basique toujours, avec les poches usées. Et en fait, c'est un jean 2 en 1. Je m'explique. Vous le retournez. Voilà, vous le retournez. Hop. Et ça devient un autre jean. C'est pas beautiful ça? Donc il est super bien fini. C'est un jean avec de l'élastane. Moi j'ai pris S. Il est super original. Vous avez vu le détail? Vous avez des motifs fleuris. Je vous dis, il est super original. Donc vous voyez qu'on ne voit pas les coutures, hein. On a plutôt l'impression que c'est un jean non retourné, quoi. Et vous pouvez le porter, retroussé. Et voilà le devant. Donc j'ai pris la taille S et il existait S, M, L, XL et XXL. Donc voilà pour cette superbe trouvaille. Ah oui, et puis le prix 39,90€, qui les vaut par son originalité. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, j'ai reçu un colis surprise de la part d'une de mes abonnées qui est Muriel, qui m'a envoyé un colis comme ceci, voilà, qui pèse son poids. Je vais vous montrer ce que c'est, je suis trop contente.